Hi, this is Reggie Fils-Aimé, President, Chief Operating Officer of Nintendo of America. Welcome to Music Plus. Second one in French. Oh, here we go. Bienvenue à Monsieur Net sur les ondes de Music Plus. Yeah. Salut tout le monde, ici Denis Talbot. Vous voyez, notre studio a été légèrement altéré pour accueillir 10 chanceux. Et enfin, c'est 9 chanceux et une chanceuse. Dis-tu deux chanceuses? Non, il y a une chanceuse. Pour tester deux chanceuses, 8 gars, 2 filles, pour essayer avant tout le monde la nouvelle Wii, un party privé. Ces gens-là vont jouer, vont donner leurs impressions. Qui dit Nintendo Canada, dit Pierre-Paul Trépanier, PPT pour les intimes qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Pierre-Paul? Ça va super bien, Denis. Écoute, on commence à sentir toute l'excitation qui entoure le lancement de la Wii, qui a lieu officiellement quand? Là? C'est dimanche. C'est dans 4 jours. Est-ce que vous allez avoir assez de consoles pour satisfaire à la demande? Bien, écoute, on en a 4 millions qui vont être produites d'ici la fin décembre, mais il semble y avoir une demande assez forte aussi, fait qu'on n'est pas sûr. Donc, si on ne fait pas la file dimanche, il y a des grosses chances qu'on n'en ait pas. C'est ça que tu me dis? Bien, d'après les préventes à date, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà commandé, qui en ont déjà acheté, fait qu'il faut peut-être penser à faire la file. Combien de titres vont être lancés au lancement? Bien, au lancement, on a 30 titres normal sur disque, et en plus des 30 plus jeux qui vont être disponibles sur la console virtuelle. Tu sais que ça fait un sacré bout de temps qu'on suit... dès qu'on a commencé à entendre parler de la révolution, on s'est mis sur le dossier. Ouais. On a commencé à suivre ça du côté du E3. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller faire un tour à New York. Voici un résumé de ce qui s'est dit à l'époque. On va comparer avec ce qui s'est fait réellement. Voici le reportage. La Wii permet de vraiment embarquer dans le jeu, de sentir le jeu plutôt que de juste regarder un jeu. Et le système principal et la différence unique au Wii, c'est le contrôleur. Monsieur Miyamoto a baptisé ce contrôleur-là le Nunchuck parce que ça ressemble un peu à un Nunchuck. Et ce que ça fait, c'est que c'est un adaptateur qui s'attache sur le bas de la télécommande. On s'imagine qu'il pourrait y en avoir d'autres. La première qui vient incluse avec la Wii au lancement, la Nunchuck a un analog stick sur le dessus et deux boutons sur le côté. Et ce que ça permet, c'est par exemple dans les first-person shooters, tu peux bouger avec ça, tu peux tirer. Pendant ce temps-là, avec le pointeur, tu peux décider où à l'écran, comme avec un pointeur laser, où je veux tirer. Mais en plus, la grande surprise à E3, c'est qu'il y a un accéléromètre aussi dans celui-là. Alors, par exemple, quand on joue à Zelda et qu'on ramasse un crate, quand Link se promène avec une caisse, il peut tout simplement la tirer en faisant... L'autre jour, à la conférence de presse, ils ont choisi un jeune dans la salle pour venir jouer au tennis avec Miyamoto. Et le petit gars, devant 3000 personnes, il n'avait jamais vu ça avant. Tout de suite, il s'est mis à jouer au tennis parce que tout le monde sait comment faire ça. C'est pas très compliqué, c'est très intuitif. Tout est en 480p, donc c'est progressif. Et ce qui est le fun, c'est que ça joue sur toutes les télés au Canada. C'est pas juste pour les hardcore gamers. Évidemment, pour les hardcore gamers, il y a des options, par exemple le widescreen dans Zelda, qui font que c'est cinématique et c'est super beau. Mais n'importe qui a une télé va pouvoir profiter de la système Wii dès cet automne. Ils sont pas trop chers non plus. Non, bien c'est ça, c'est qu'on veut que le système soit accessible. La mission qu'on nous s'est donnée, c'est la démocratisation des jeux vidéo. Et là, avec le prix aussi, on va faire en sorte que tout le monde qui en veut une peut s'en payer une. On voit que la Wii, c'est un petit système. On peut la mettre debout comme ça sur le stand. On peut la mettre couchée aussi. Ça marche des deux façons, mais c'est très petit. Hein? C'est l'équivalent de quelques boîtiers de DVD. Sur le devant, il y a évidemment l'entrée des disques qui est illuminée en bleu. On peut insérer les disques DVD pour les jeux Wii. On peut aussi insérer les disques GameCube. C'est backwards compatible à 100%. We'll be right back.
Ce qu'on remarque, c'est la très grande convivialité de la manette. C'est facile à opérer, c'est incroyable. Si je veux monter, je lève. Si je veux descendre, je baisse. Si je veux tourner, je vais doucement. Ici, là, je ne sais pas trop c'est quoi le jeu, mais il faut que je prenne des photos de vaches, je pense. Ou que je retrouve des vaches. Et puis, je peux faire des voler comme le baron rouge. Je peux voler à l'envers carrément. Regardez ce que ça fait. Là, je reviens. Là, je peux retourner sur l'aile. C'est hyper, hyper convivial. On remarque également ici que la barre qui était beaucoup plus grande au E3 a été ratissée. C'est l'espèce de capteur qu'on doit placer sur le téléviseur. Il a été ratissé également. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on peut bouger en haut, en bas, de gauche à droite. C'est ça qui transfère l'information physique en information virtuelle. Et ma foi, ça marche très bien.